Ça va impacter la société d'Israël. Est-ce que nous sommes là? Ah oui, hein. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous voulons prier, Père, nous laissons ce moment avec les saintes mains. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Conduis-nous et manifeste ta présence. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je chasse tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, prends ta place, Esprit. Nous avons ainsi prié et nous disons encore Amen. Amen. Prends ce micro. Alléluia. Je disais, un athée qu'on parle ici, c'est celui qui abandonne sa famille. Il ne doit pas soigner sa famille. He doesn't care about his family. Alors quand je lisais la Bible, j'ai vite compris que ici, Bible, on parle pas seulement de celui qui abandonne sa famille, mais on parle de celui qui ne prend pas soin de sa famille. I understood that. Donc cela veut dire quoi? Just talking about the one who is celui qui n'est pas responsable of his family, but we are also talking about the one who just abandoned his family. Est-ce que nous sommes là? The one who is abandoning his family is not responsible. Yes. Donc il y a des familles. Alléluia. Il y a des pères, il y a des mères, their mother, qui ne sont pas responsables de leur famille. Who are not responsible of their families. Est-ce que nous sommes là? Ah, oui, c'est bien bon de l'appeler des parents. It's nice to c'est bien bon parents. De prendre l'engagement. It's nice to take that engagement, to take that responsibility. De conduire des gens. Mais si tu ne joues pas ton rôle, si but tu joues pas you are ton not rôle, playing your role, if you are not leading them in the right way, tu es irresponsable. You are irresponsible. Alléluia. Alléluia. Ici la Bible nous parle. Here la Bible nous dit. Tell us. De celui qui est irresponsable. The Bible talks about the one who is not responsible. Oh, est-ce que nous sommes là? Are we here? Si tu ne joues pas ton rôle. If you are not playing your role. Pasteur, tu peux venir ici, s'il vous plaît. Pastor, can you come here, please? Amen. Amen. Si tu ne joues pas ton rôle, if you are not playing your tu role, es irresponsable. You are irresponsible. Même si tu es un parent. Even though you are a father. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants. It doesn't matter to have kids. Ça sert à rien d'avoir la famille. It doesn't matter to have children. Mais tu ne joues pas ton rôle. If you are not playing your role. Ça sert à rien. It doesn't matter. La responsabilité que nous parlons ici. The responsibility that. Ce n'est pas seulement de donner de l'argent aux enfants. It's not just giving them the money. Ce n'est pas seulement de donner la nourriture aux enfants. It's not just about the food. Mais c'est prendre ta responsabilité. It's to take your responsibility. Est-ce qu'elles sont là? Dieu nous recommande de prendre notre responsabilité tant que nos parents. Yes, God is recommending us to take our responsibility. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Donc être parent, c'est charge que Dieu nous a donné. Amen. Si tu ne prends pas ta responsabilité, tu es plus que fidèle. It's a requirement that God has given us. If you are not taking care of your family, you are irresponsible. You are not doing your job. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné des enfants. God has given us children. Dieu nous a fait des leaders. God has made us leaders. Mais ce qui est plus profond. But the deepest thing, the most important. C'est être responsable par rapport aux tâches que Dieu t'a donné. It's to be responsible. It's to take care of things that God has given you. Alléluia. Maintenant, il y a combien de personnes? How many people are here? Qui assument leurs responsabilités? Who are assuming their responsibilities? Qui est père? On t'appelle père. You are father. They call you father. On t'appelle peut-être mère. They are calling you mother. Mais quel est ton rôle dans la famille? But what is your role in your family? Oh. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Chacun de nous a son rôle que Dieu a donné pour jouer dans sa famille. Everyone has a role that God has given you to play in your family. Si nous jouons pas notre rôle, if we are not playing our role, if you si échoue en tant que leader de la famille, we are failing. C'est l'étiquette. We are failing. Mais en réalité, we are failing. We are tu failing. N'es pas un vrai leader. In reality, you are not a leader. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs membres de la famille. And today we see many members of our mais family. Mais nous avons aussi des leaders de la famille. But we also have
have leaders. Et parmi les leaders de la famille, and among leaders, je cite d'abord père. Yes, we have to side. Papa est en première position. The father is the first one, is the head. Est-ce que nous sommes là? Si il ne joue pas son rôle, if he doesn't play his role, il échoue. He's a failure. Combien de parents ici? How many parents here? Combien de mamans? How many mothers? Oh, je vais avoir la mort. Qui joue? How many mothers are playing their role? Amen. Ça ne sert à rien qu'on t'appelle parent. It doesn't matter. Ça ne sert à rien qu'on t'appelle papa ou maman. Mais tu ne joues pas ton rôle. If you are not playing your role. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Donc Dieu nous enseigne. God is teaching us. Si on t'appelle parent. If they are calling you parent. Ou tu es parmi le membre de la famille. Or you are among the members of the family. Mais tu ne joues pas ton rôle. And you are not playing your role. Tu échoues. You are a failure. C'est l'étiquette. You are a failure. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Maintenant, réfléchissons ensemble. Let us. Attends les parents de la famille. Alléluia. Réfléchissons ensemble. Attends les parents. Est-ce que tu joues bien ton rôle? Are you playing your role? Est-ce que tu joues bien ton rôle? Are you playing your role? Est-ce que nous sommes là? Are we here? Je vais dire à quelqu'un. Nous avons trois étapes d'éducation. There are three steps in education. Est-ce qu'on peut dire ça? Can we write this down? Nous avons trois étapes de l'éducation. There are three steps. There are three steps in education. Première étape. The first step. Quand je méditais. When I was meditating. Quand je réfléchissais par rapport à la parole. When I was thinking about the word. J'avais dit première étape c'est zéro. I saw the first step. À une année. Was première étape de l'éducation. The first year. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Première étape c'est zéro. First step is from zero to one. Zéro à une année. From zero to first year. Je vais expliquer ça. I will explain this. C'est l'étape où le bébé dépend de ses parents. It's the step in which the baby depends on the baby step is the first step in education. De zéro à une année. From zero to one year. Le bébé dépend totalement de ses parents. The baby depends on his parents. Bébé dépend totalement de ses the parents. Baby depend totally to who. Donc, il ne peut pas faire quelque chose sans l'aide de ses parents. Without their care, without their support. Est-ce que nous sommes là? Donc, je disais première étape. Je vais parler de trois étapes de l'éducation. I will talk about three steps of education. La première étape, qu'est-ce que je veux dire? The first step. What is the first step? De zéro à un an, l'enfant dépend totalement de ses parents. Yes. Amen. De zéro à un an, l'enfant dépend totalement de ses parents. The child depends on his parents. Yeah. Il ne peut pas faire quelque chose he sans l'aide de ses parents. Without their support, without their care. Là, c'est encore bien. And here, everything is great. Alléluia. Alléluia. Mais deuxième étape. But the first step. Selon moi. Amen. According to me. C'est une année. It's one from year one à 18 ans. To 18 years. Ça c'est fort. Alléluia. Very strong. C'est là où les parents travaillent. This is where the parents have to work. C'est l'étape où un enfant cherche le caractère. This is the step in which the child will look after his own character, will build his si nous regardons bien nos enfants, if we look at we look our on va voir children, na une année, we will see année, that. L'enfant commence during year one, à avoir des désirs. The child will start to have some alléluia. Desires. L'enfant commence peut-être à marcher. The child will start to walk. L'enfant essaie à parler. The child will try to speak. Il commence à choisir des choses. He will start to choose things. Donc il cherche réellement he's choosing les caractères. His, after his own character. Et je vais vraiment s'asseoir ici. And yet I will really stop here to. Je vais s'asseoir ici. I will kind of stop here. Alléluia. Alléluia. Nous négligeons parfois deuxième étape. We usually neglect the de 1 année à 18 ans, je peux dire. From 1 to 18 years old. Mais alors que c'est l'étape. Un parent peut travailler directement. Yes, this is the step in which the parent has to work very hard. Parce que l'enfant cherche l'éducation. Because the child is looking after an education. L'enfant cherche des choix. The child is
making choices. Alléluia. Alléluia. Si nous ne donnons pas à nos enfants, if we are not giving our children the character, il y a personne qui peut nous donner à nos enfants le caractère. There is no one, nobody who will give them, who will build their character. On réalise ce que nous avons. C'est l'étape qu'un parent ne peut pas dormir. It's the step in which no parents can sleep. C'est l'étape qu'un parent, il faut qu'il soit réveillé et qu'il contrôle son enfant. The step in which the parent has to be awake Alléluia. And then control his child. Amen. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Nous voulons lire la parole de Dieu, mais avant que nous puissions lire la parole de Dieu, the word of the Lord. L'étape de l'enfant. Deuxième étape, c'est l'étape de l'enfant. The second step is the step of the child. Il quitte l'étape de bébé. He is leaving from. Il devient maintenant un enfant. The child is step to the. Est-ce que nous sommes là? C'est l'étape de l'enfant. I mean, from the toddler to the children. Nous travaillons plus et nous cherchons plus à travailler quand l'enfant sera adulte. We work very hard and we will try to work even harder when the child becomes an adult. À une année déjà. But we forget that l'enfant commence à chercher le caractère. At age one, the child starts looking after his own character. L'enfant commence à chercher le caractère. The child starts looking for his character. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Nous voulons lire la parole de Dieu. We will read the word of the Lord. Nous voulons lire. We will read Proverbe. Proverbe. Proverbe 22, verset 6. 22, verse 6. 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous disons encore le Seigneur. Amen. Instruis l'enfant. Start children of the way they should go. Et quand il sera vieux, and when they are old, il ne s'en détournera pas. They will not turn from it. Qu'est-ce que la Bible me dit? When they will grow, they will. When they are old, they will not turn from it. Okay. Quand il sera grand? Yes, when they will. Ici, when they are old, they will not turn from it. Ici, if they won't abandon the Lord, the word of the Lord, they won't abandon the road that you have already traced for them. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Mais ici, ma Bible ne nous dit pas. La Bible me dit, donne à un enfant. My Bible is telling me, give to a child the bonnes habitudes, the good habits, de ses premières années, from his first years. Alléluia. Alléluia. Il gardera même dans sa vieillesse. He will keep these until his old age. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donne à un enfant, give to a child the bonnes habitudes, the good habits, de ses premières années, from his first et il gardera même dans sa vieillesse. And he will keep this until his old age. Alléluia. Alléluia. On dit ici, la Bible parle de qui? Here the Bible talks about whom? Oh non, la Bible ne parle pas des parents. Il dit aux parents. Yes, the Bible is talking des travaux que les parents vont faire à l'enfant. This is an instruction. Je disais, the Bible is talking about the age that the parents will do. De 1 année à 18 ans. From year 1 to 18. Il devient enfant. Et maintenant, la Bible nous montre. And yet the Bible shows us. Alléluia. Give. Donne alléluia. À un enfant. Give to a child. De bonnes habitudes. The good habits. Alléluia. Amen. De bonnes habitudes. Alléluia. The good habits. Dès les premières années. From year one, from Alléluia. The beginning, Alléluia. C'est impossible qu'il abandonne. When this child grow up, it will become impossible for him or her to abandon this. But now we don't work. Et je me demande pourquoi nous enseignons pas nos enfants. And I'm asking myself, les why are we not teaching them? Je vais aller, je parle lentement. Yes. Alléluia. Go slowly. Alléluia. La Bible nous insiste. La Bible donne à tes enfants. The Bible insists. De bonnes
habitude. Give to your children the good habits. Donc c'est notre rôle. It's our role de donner à nos enfants to give to de our bonnes children habitudes, the good and right habits, de bons caractères. The good and right character. Moi je l'ai donné quand je lisais la Bible. I was wondering when I was reading the Bible. Souvent les gens disent que sometimes people say caractère de l'enfant vient de Dieu. Say that the character of the child is coming from God. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Souvent les gens disent sometimes this is what people le caractère de l'enfant the character of the child is coming from God. Mais ici la Bible nous dit but here the Bible is telling us donne à tes enfants that you have to give to your children bon caractère, the right character, the good character. Le caractère de l'enfant the character vient de ses is coming from his parents. Est-ce que nous sommes là? Are we here? Caractère d'un enfant the character of a child vient de ses parents comes from his parents. Et maintenant, quand je lisais la Bible, and now when I was reading the Bible, oh, je sens, je suis triste. I have so. Quand je vois l'environnement des États-Unis, when I see what is happening in the U.S. Et mais saisissons ces enseignements. Écris ça et ça va t'aider. Write this down, please. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un. I'm telling to somebody. Même si tu n'as pas des enfants aujourd'hui. Even though you don't have children mais un today. Jour tu seras parent. But one day you will be a parent. Et écris ça. And write this down. C'est l'enseignement que Dieu te donne. This is a teaching pour ton avenir. God is giving you for your future. Non pas seulement future. Pour l'avenir de tes enfants. Not just for the future of your children. Mais pour ton avenir. But aussi. Even for your own. Et moi je me demandais beloved, I was wondering, pourquoi nous donnons pas nos enfants le caractère. Why are we not giving our children the character? Est-ce qu'il y a des parents ici? Il y a des parents ici. Are there parents here? Parents, est-ce qu'il y a des parents ici? Are there parents here? Je demande. Est-ce qu'il y a des parents ici qui donnent à leurs enfants des caractères? Who are giving their children the character, the good habits, the good manners? Nous sommes pas nombreux. We are not many. Alléluia. Alléluia. Je vais demander pourquoi I nous was donnons wondering pas why we are not giving à nos enfants to our children des caractères. The right character. Why? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me répondre? Are there people here to answer to my question? Premièrement, je first vais of all, I will explain this. Alléluia. Nous croyons que les enfants sont des innocents. We think that our children are innocent. C'est les pensées du diable pour nos enfants. These are the evil things. Evil thoughts. Tu écouteras maman ou papa. You will listen to mother and dad. Et il dit, ce sont des innocents. And you will hear chose. Them saying, oh, these are innocent. They are they mais don't know ici, anything. Parle, but here the Bible is telling us une année déjà, il from faut year one, you enfants. Have to start to teach. L'enfant n'est pas you innocent. Have, the child is not an innocent. Plusieurs parents croient à l'innocence de l'enfant. Many parents believe in the innocence of children. Alléluia. Première chose que un parent peut donner à ses enfants, you have to give to your children, c'est la connaissance de la vérité. Is the word. Est-ce que vous comprenez? Is the truth. C'est la connaissance de la vérité. Is the truth. That's pourquoi the first thing you have to teach them. Why am I saying parce que dès le ventre de sa mère, because from the womb of the mother, un enfant a déjà, il a déjà le péché. The child already has the flaws. On peut lire ça ensemble. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Oh, nous, je disais qu'on peut lire ça ensemble. Donc, il n'y a pas personne ici qui peut lire pour toi. S'il vous plaît, prenons nos Bibles. Nous lisons Psaume 51, Psaume 51, verset 7. Verse 7. On peut lire ça à haute voix, s'il vous plaît. We can read it aloud. Je vois les frères qui se livrent la Bible, c'est bien. Est-ce qu'il y a pas pareil, moi, dans la Bible? Oui, il lit sans Bible. Alléluia. 51, verse 7. Lisons rapidement, lisons la parole de Dieu. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me. And I will be whiter than snow. Jésus, péché. Est-ce que nous sommes là? Et lisons rapidement Psaume 58, verset 4. Le méchant
dès le sein maternel. Alléluia. Lisons rapidement Romains 5, verset 12. Rapidement, s'il vous plaît. Oh, 8 ans. Mais c'est pour pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Est-ce que nous comprenons les versets que nous venons de lire? Donc, dès le ventre de sa mère, l'enfant a déjà le péché. Right from the womb of his mother, the child already have flaws. Je vais expliquer ça pourquoi. Yeah, pourquoi? Parce que Adam veut pécher. Why? Because Adam. Romain vient nous expliquer. Romain, par le péché d'un seul homme. That the le péché est entré dans le monde. Allow. Alléluia. Nous nous sommes des descendants d'Adam. We are the descendants of Adam. Donc par le péché d'Adam, nous tous nous sommes des péchés. From his sin, we all have sin, are sinners. C'est pour cela que je vais expliquer. That's why I will explain. Tu ne peux pas apprendre à tes enfants. You cannot teach your comment mentir. How to lie. Mais à une année déjà. But in 1 year. Un enfant a la tendance de mentir. The child has the tendency of lying. Tu peux pas montrer à tes enfants. You don't have to teach them. Comment je peux dire voler. How to steal. Mais à une année. But in 1 year. Un enfant a toujours tendance de voler, de mentir, de lier. The tendency of stealing. Ça vient d'où? This is coming from where? Tu regardes peut-être ta vie. You look at your life. Tu viens. Mais qui a enseigné ton enfant? Who taught your child? De voler. To de mentir. To lie. Alléluia. Alléluia. Ce sont les péchés d'Adam. These are Adam's sins. Oh my God. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Are we here? Amen. Ce sont les péchés d'Adam. These are Adam's sins. Alléluia. Nous avons. Alléluia. Tout enfant a la nature pécheresse. All child has. J'ai dit tout enfant a la nature pécheresse. All child has the sinful nature. Oh my God, c'est notre rôle le parent de dresser notre enfant. It's our role. De lui montrer la vérité. To show the right. Oh my God, oh. Je veux dire à quelqu'un, tu peux faire tout pour tes enfants. You can do everything. S'il ne peut pas enlever la nature pécheresse à tes enfants. Remove that sinful nature. Alléluia. Tu vas acheter des habits. You can buy them clothes. Tu vas acheter des voitures. You can buy them cars. Mais pour enlever la nature pécheresse, to remove this, il faut des prières et des enseignements. And teach them. Oh my God. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Are you praying for your children? Chaque matin, every il faut imposer les mains à tes enfants et de dire des choses. Que tu n'es plus à Adam, Jésus a travaillé pour toi, mais c'est dans le sang de Jésus, il est que le péché d'Adam. My God. Now the blood of Jesus has washed you. Mais il ne faut pas seulement arrêter là-bas. But don't stop there. Il faut enseigner ton enfant la vérité. You have to teach them the truth. Alléluia. Alléluia. Nous donnons pas le caractère à nos enfants parce que nous croyons à l'innocence de l'enfant. You don't have to stop there. Il est innocent. You just take their character for granted. Ils ne connaissent pas de péché. They are innocent. Mais il est le descendant d'Adam. No, they are descendants of Adam. En lui, il y a quelque chose. And then, Dieu t'a donné. Sin is already embedded. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné God des choses. God has given you things. Ce n'est pas seulement pour toi. They are not just for you. Mais c'est pour aussi tes enfants. They are also for your children. La Bible nous parle de Dieu d'Abraham. God is talking about the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Oh, j'ai regardé dans le monde. Il y a un quelqu'un qui s'appelle Élie. Il a initié son enfant aux choses fétiches. Alléluia. Alléluia. À combien plus vont-il raison, nous les chrétiens? I watch around the world. Ici, s'il y a quelqu'un, s'il y a un enfant qui prie comme son père. Tout le monde parle, ah, il deviendra pasteur. Mais c'est notre rôle d'initier nos enfants aux choses de Dieu. To initiate our children to things of God. L'enfant n'est pas innocent. The child is not s'il ne connaît pas.
pas un bébé. We are talking about the child. We are not talking about the baby. Alléluia. Hallelujah. C'est notre rôle. It's our role. De donner l'enfant. To give to a child. Les choses importantes. The right thing. The Mais qu'est-ce que tu fais? Thing. And what are you doing? À tes enfants. What are you doing to tu crois qu'ils sont des innocents. You think they are innocent. Mon enfant est innocent. My child is an innocent. Ton enfant vole. Your child steals. Mais tu es capable de dresser ton enfant. But you are capable of. Et tu dis qu'il est innocent. Il va changer. La semence commence où? La Bible nous parle dès une année. Il faut donner. La Bible nous dit, donner à nos enfants l'éducation. You have to give to your child an education. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent donner à nos enfants l'éducation? Who can give their children their education? Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? What are you giving to your children? Maman, papa, tu es ici. Mom, dad. You are here. Qu'est-ce que tu donnes à tes what enfants? What are you giving to your children? Tu donnes à tes enfants le wenge? Are you giving them the reggae? La bière? The beer? Ou tu donnes à tes enfants la parole de Dieu? Or you are giving them the word of God? Quand ils seront vieux? When they will grow up? Il n'abandonnera pas. Then when they will grow up? C'est que tu les as donnés. Abandon what you gave them. What you gave them from your childhood? Alléluia. Hallelujah. Deuxième point. The second point. Oh my God. Oh my goodness, my God. J'ai beaucoup de choses à dire. I have so many things to say. Mais je n'ai pas le temps. But I don't have time. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, je peux dire. The second thing I will say. Nous croyons à la liberté de choix. We believe in freedom of choice for our children. Surtout ici aux États-Unis. Most important here. Tout le monde croit. We think. Everybody thinks. Notre État ici. Our state here. Nous a donné. Has given us des lois. Some laws. Que l'enfant est libre. So children, child is free to make choices. Alléluia. Alléluia. Nous croyons. We believe. À la liberté des choix de l'enfant. In freedom of children. Est-ce que nous sommes là? Are we here? J'aimerais dire à quelqu'un. I was talking to someone. L'enfant est incapable. The child is incapable. De faire les bons choix. Of doing the right choice. Oh, 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 oh. Yes. C'est le diable masqué là-bas. C'est le diable qui est masqué là-bas. Parce que le diable ne sait bien. Il sait bien plutôt. The devil que l'enfant that the child a l'incapacité is incapable de faire les bons choix. Of doing the right choice. Mais il nous a donné la loi. But he has given us the law. Ici aux États-Unis. Here in the US. La liberté the freedom de choix. Of choice. Est-ce que nous sommes là? Ah oui. C'est pour cela que beaucoup de parents échouent. Many parents fail. Je vais dire à quelqu'un, parent. Oh, I will talk to parents. Si tu ne fais pas les choix. If you are not making the choice. Si tu ne choisis pas les choses par rapport à tes enfants. If you are not making choices. Le monde choisira les choses. The world will choose for them. Et le monde va donner à tes enfants. And the world will give to your children. Hein? Les choix de ce monde. The choice of this world. Le choix de ce monde. Your children will walk by this world. Le choix de la société. The choice of the society. Le choix de leurs professeurs. The choice of their teachers. Vous savez qu'il y a des professeurs lésiviens. Yes. Il y a des professeurs pédés. They are. Oh alors, my goodness. They are terrified teachers. Yes. Si tu m'aimes pas. If you are not putting. Des principes, des barrières. Some principles, some barriers. Le monde va donner à tes enfants. The world les choix. The choices. Ça sera trop tard. It will be too late. Tu chercheras encore d'enlever ça. You will try to remove it. Mais ça sera trop tard. But this will be too late. Parce que troisième étape. Because the ce n'est pas l'étape de l'éducation. It's not the step of education. Troisième étape, c'est l'étape des conseils. L'étape que tu peux éduquer tes enfants. The child has his own character and it is difficult to inverse the tendency. Alléluia. Hallelujah. Il faut faire des choix de tes enfants. You have to make choice for your children. Même le monde nous enseigne. Even the world teaches si tu ne fais pas les choix. If you are not making choices. Larry et Roderick faiseront le choix à tes enfants.
feront plutôt. Alléluia. Il faut faire des choix. Il faut if you have to make choice, choisir les amis de tes enfants. The, your children's qu'est-ce que ton enfant regarde sur Facebook? What your children is watching are watching on Facebook. Quels les amis de tes enfants? Who are your children's friends? Alléluia. Alléluia. Nous avons des faits dans la highway ici. We have nous avons des stories on the highway. Nous avons des yeux. We have pour nous indiquer là où on peut conduire. To show us how to drive. Mais la vie de nos enfants. But the lives nous n'avons pas de limites. We don't have any boundaries. Il faut mettre des limites. You have to set some boundaries. Il faut pas laisser ton enfant. You don't have to leave your children. Qui drive na speed. Drive on the speed. Speed. Écoutez, les stop. Listen. Les set. Les yet. Des faits. The ce n'est pas les chauffeurs qui ont mis ça. Are not there oh, for the, I mean, ce n'est pas des chauffeurs qui ont mis ça. Mais ce sont les gens qui ont réfléchi, les gens ont mis but ça pour bien garder les habitants des pays ou de la ville. In a city of ne cherche city. Pas, à, ne laisse pas tes enfants les choisir ce qu'ils veulent. Ou ce qu'il peut faire. We give them the ability to choose what c'est notre rôle. It's our role. Amen. Oh my God. Oh my God. C'est notre rôle. It's our role. Il faut contrôler tes enfants. You have to control them. Si tu ne contrôles pas tes enfants, if you're not controlling your children, la terre, le monde, the world, va choisir pour tes enfants des choses. Will choose for your children. Will choose things for your children. Alléluia. Alléluia. Ça sera trop tard. It will be too late. L'éducation de nos enfants, c'est entre nos mains. Mais tu ne travailles pas pour tes enfants. But you are not working for your children. Tu ne travailles pas. You are not working. Il faut travailler et chercher à choisir des choses. And you have to look after things. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un. I will say to someone. Est-ce qu'il y a des parents ici qui contrôlent leurs enfants? Are there parents here who are controlling their children? Contrôler leurs enfants. Control your children. Contrôler notre enfant. Control our children. Si tu ne contrôles pas tes enfants. If you are not controlling them. If la terre contrôlera your children, tes enfants. The world amen. Will control your children. Yes, amen. C'est l'état de travail. This is the step of work. Si tu échoues aujourd'hui. If you fail today. Demain ça sera trop tard. Tomorrow will be too late. Initiez nos enfants. Initiate our children. Aux choses de Dieu. Initiate our children to things of God. Et nous allons lire rapidement la Bible. And we will read very fast. L'enfant qui n'est pas contrôlé. The child who is not controlled. Il deviendra rebelle. Will become a rebel. C'est la honte de sa mère. It's a shameful for the mother. Proverbe 29, verset 10. Proverbe 29. Il deviendra rebelle. Proverbe 29, verset 15. Proverbes 29, verse 15. Mm. Yes, disons ça rapidement. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alléluia. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Amen. Donc c'est l'enfant qui prend lui-même des décisions. He is on his own. Il fait lui-même des he choix. Ashamed for his mother. Il fait honte à sa mère. He will become ashamed. Si tu veux réjouir demain. If you want to rejoice tomorrow. Éduquez bien tes enfants. Educate your children. Amen. C'est notre rôle bien aimé. It's our role. Est-ce que nous sommes là? Are we here? C'est notre rôle bien aimé. It's our role. Initier nos enfants. Initiate our children. Travailler. Work. Donnons à nos enfants give des choses importantes. Children, important things. Et aujourd'hui, bien aimé, nous avons abandonné nos we enfants. We have abandoned our children. États-Unis, est-ce que nous sommes là? The US. Les parents ont abandonné leurs enfants. Parents have abandoned their children. Oh, je vais dire à quelqu'un. I will say to someone. Nous cherchons pas. We are not looking l'éducation de nos enfants. The education of our nous ne cherchons pas à cadrer nos enfants. We are not looking for mais ce que nous cherchons aujourd'hui premièrement, what c'est we de are l'argent. Looking today is money. Nous cherchons de l'argent. We are looking after money. Mais nous avons abandonné but nos enfants. We have abandoned our children. Réveillons-nous bien-aimés. Wake up. Notre avenir dépend de ces enfants. Our
témoignages. I have so many testimonies. Combien de temps que tu prends avec tes enfants? How many times do you take for your children? Oh, nous parlons de contrôler les enfants. Oh, we are talking about controlling our children. Mais pour contrôler tes enfants, but to better control your children, il faut prendre le temps de observer tes enfants. You have to take time. Quelles sont les faiblesses? What are their weaknesses? Quelles sont les parties fortes de tes enfants? What are their strengths? Tu vas travailler où? What are the areas that needs improvement? Alléluia. Hallelujah. Écoutez, Église. Listen. Je vais expliquer quelque chose. I will explain something. Aujourd'hui, nous avons donné la responsabilité de l'éducation. Today we have given the education of our children to the church. Nous avons donné la responsabilité de l'éducation à l'Église. Mon enfant va déjà à l'école. Our children to non, mon enfant the church. Est bien. Yes, my children, my child goes to church. He's fine. Parce qu'il va, il part he's déjà. He's well educated because he goes to church. Mais c'est faux. But this is not the truth. Le point de vue est donné. J'ai dit c'est faux. La responsabilité, la responsabilité de l'éducation, c'est d'abord la responsabilité. Ce n'est pas l'église. The education is first. Happens Alléluia. At home, not oh. At church. Hallelujah. Je crois que tout va être donné. Je vais expliquer ça. I will explain this. C'est d'abord à la maison. It's first, it happened first at home. La maison, c'est la base de l'éducation. The house, the home is the foundation of education. Je donne l'exemple d'Élie le sacrificateur. I will take the example of Élie le sacrificateur travaillait au temple. He was working at the temple. Mais la Bible le dit. But the Bible says. 1 Samuel, d'autant en mode ça fait courant derrière les temps. Alléluia. Si nous lisons 1 Samuel, if we read Samuel 1, tu commences en verset 1 de, you tu descends start from jusqu'à 1 to, you keep going. 1 Samuel 1, tu descends jusqu'à 1. C'est l'histoire de Anne. The story of Anne. Amen. Écoutez, la Bible me dit quoi? Élie le sacrificateur travaille. Eli, the sacrificator, autant, walking at the temple. C'est lui que Dieu avait utilisé pour donner à Anne Samuel. He's the one that God used to give. Élie le sacrificateur partait à l'église. Eli was going to church. Travaillait à l'église. Was working at the temple. Mais la Bible me dit. But the Bible says. Les enfants d'Élie le sacrificateur. Children, ne connaissaient pas Dieu. Did not know God. Alléluia. Hallelujah. Ne connaissaient pas Dieu. They didn't know God. Mais Élie. But Eli. Les a emmenés. Was taking them. À travailler au temple. And was making them mais to work at the temple. Pas Dieu. Comment il peut travailler au temple? How can he work? C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. That's the mistake that we are doing. Mon enfant chaque dimanche va à l'école de dimanche. Every day my child goes to church. Oh, he is well educated. C'est faux. It's a liar. Alléluia. Alléluia. Élie le sacrificateur. Eli the sacrificator. Il avait le rôle. Had the role. De transmettre. To transmit à ses enfants la valeur children, the values de Dieu très haut of God. Alléluia. Almighty. Il fallait qu'il donne à ses enfants. He had to give pour them. Qu'il montre à ses enfants. He had to teach them ce que Dieu est. What God is. Alléluia. Alléluia. Pour considérer l'église. In order for them to il faut connaître ce que Dieu est. To know what God is. My God. Pour bien travailler à l'église, to better serve, tu dois connaître ce que Dieu est. You have to know what si tu ne connais pas le Dieu d'Israël que nous servons ici, the God of Israel, that c'est impossible de servir Dieu. It's impossible for you to mais Élie a donné les enfants, ses enfants à l'église. But Eli gave his children to, et les enfants de Élie, to church. Ils étaient devenus des sacrificateurs. Became the sacrificator. Mais avant la Bible nous montre. But here the Bible les shows enfants d'Élie ne connaissaient pas Dieu. That the children of Eli did not know c'est pour God. Cela aujourd'hui nous avons les bêtises à l'église. That's why today we have plusieurs enfants à l'église. At church. Many children at church. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'Éternel. Because they don't have the wisdom. Mais servent Dieu. They don't have the knowledge si, of God. Si tu donnes à tes enfants l'éducation. If you give to your children the education. Oh, je vais dire à quelqu'un si tu montres à tes enfants. If you show to your children. Qui est Dieu? Who is God? La grandeur de Dieu. L'importance de Dieu dans ta famille. Quand ils viendront dans l'église, when they will come to church, ils vont bien travailler parce qu'ils ont la connaissance de Dieu de l'église. The wisdom, my God, the knowledge. Si quelqu'un
quelqu'un n'a pas la connaissance de Dieu et de l'Église, il fera des bêtises à l'Église. La Bible le dit, les enfants de Élie sortaient avec des gens au temple. The Bible says the children of was having parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Church because they didn't know God. Parce que vous savez, je voulais dire aux parents. And this is why I was talking. Enseignez d'abord nos enfants. Teach our children. L'importance de Dieu dans la famille. The importance. Oh, l'importance de la prière. The importance of prayer. L'importance de la vérité. The importance. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Of truth. Alléluia. What are you teaching? Deuxième chose, nous avons donné la responsabilité de l'éducation. We have given the responsibility. We have given our education, our children's education to the society. We are giving it up. La société. The society est incapable. Is incapable de donner à nos enfants les vraies éducations. Of giving our children the right education. 1+1. 1+1. Ce n'est pas l'éducation. It's not an education. Alléluia. Alléluia. Géographie, ce n'est pas l'éducation. It's not an education. C'est la connaissance. It's knowledge. Mais l'éducation, but education, c'est la capacité, it's the capacity de former quelqu'un à faire face someone à la société et de gagner sa vie. Amen. And to win his own life. C'est, je dis bien, c'est former quelqu'un. It's to train someone. Comment on peut former quelqu'un? How to train someone? En lui montrant des valeurs. In showing that en mettant en lui des choses importantes. The oh my God. Most important things. Et demain, and il tomorrow, gagnera sa vie. This person will win his avec des géographies. Avec des 1+1 de mathématiques. With geography, si tu n'as pas l'éducation, si tu n'as pas les bases, if you don't have the basis, the foundation, ça ne sert à rien. It doesn't matter. This is not just worth it. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? What are we giving to our children? Base de l'éducation, c'est toi. The basis of education is you. C'est toi. It's you. Demain, tu seras. Tomorrow, you will be. Parent, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? What are you giving to your children? What are you going to give? Un jour, ma femme m'avait donné à mon enfant. One day, my quelque chose. Et mon enfant avait dit something to my child. Elle avait répondu merci. Oh, thank you so much, my man. And the sa maman avait dit, thank you. Ah, voilà, m'en parle. T'as m'en parle de l'obissé. M'en parle. Je répète, c'est ce que j'ai dit. Amen. M'en parle, je connais ça, je ne connais pas ça en anglais. Agitation, c'est bon. Donc, mon enfant, ma femme a donné à mon enfant quelque chose. Élinelle. Et elle a demandé merci. Thank you so much, my mom. And the child said, thank you so much. Sa maman a regardé, elle a dit, ah, le roi, voilà, m'en parle. Dégage-toi là-bas, ça c'est mon parle. Vous savez, je me lavais et quand j'étais sorti, j'ai engueulé ma femme. And when I came out, il faut enseigner nos enfants de bonnes manières. La femme a demandé merci quand tu dis de ma part. Il faut l'encourager. Si quelqu'un te donne des choses, il faut dire merci. Avant de demander quelqu'un, il faut dire sorry, please. Des bonnes manières viennent à la famille. Good manners start at tu home. Tu seras pasteur mal éduqué. This child will be tu seras pasteur sans manière. Pastor, a pastor without good manners. Tu peux réussir. You can succeed. À être un président de la République. To be a president. Tu peux réussir. Country. À être un premier ministre de Dieu. To be a minister. Mais tu échoues dans ta famille. But fail in your family. Et les résultats de la famille. And the results of the family. Compte plus que toute chose. Amen. Parce que vous existez, my God. Amen. The family. Samuel a échoué. Is our church. Les enfants de Samuel ne connaissaient pas Dieu. Élie le sacrificateur a échoué. Les grands hommes de Dieu sont échoués. Samuel. Ils ont échoué. Eli fail. Les présidents de la République. Ils ont échoué. Presidents of countries fail. Alléluia. Si tu ne travailles pas l'éducation de tes enfants, qui travaillera à ta place? Who will do that for you? Aujourd'hui, nous avons abandonné nos today enfants. Et puis, c'est ce que nous sommes là. Oh, les enfants crient maintenant. Nous avons abandonné nos enfants. We have abandoned our children. Écoutez. Listen. Les parents partent au boulot de 6h from 6 à 19h. To je vous dis la vérité.
J'ai des témoignages, des témoignages. I have testimonies, so many testimonies. Là où tu pars pour laisser tes enfants. Where you go to leave your children? Première chose, faut make sure. First thing. À l'état d'âme de celui que tu donnes ton enfant. Oh my goodness. First thing. My God. Watch for the spirit. Il faut être sûr. Of that person. Make sure. À qui je donne mes enfants? Parce que tu donnes l'avenir de quelqu'un entre les mains. Des personnes que tu ne connais pas. You are leaving your children. You are leaving your children. Tu donnes l'âme de quelqu'un aux personnes que tu ne connais pas. Soul to someone that you don't even know. Oh, aujourd'hui, je suis content parce qu'on a fait la délivrance de quelqu'un qui avait donné chaque fois qu'il partait à deux cœurs. Il attendait son enfant prier. Mais s'il regarde son enfant, il ne voyait pas de larmes. Today we have delivered someone who every time when he was dropping his child off to the daycare, he was watching the child crying, but when he will look at the child, he will see it any sign. Elle attendait les cris de son enfant. He was listening to the mais elle n'avait pas discerné ça. But he didn't discern what was going on. Alléluia. Hallelujah. Elle est en Europe. This person quand il part au boulot. When he goes to work, elle attend son enfant est en train de pleurer. But he just hears a voice that elle s'est demandé pourquoi j'attends tellement les cris de mon enfant. Why am I hearing my elle n'avait pas la child crying. Et après des jours, but after days, son enfant a eu la sorcellerie. Had witchcraft. Alléluia. Hallelujah. Quand on a commencé à prier, when they started praying, Dieu m'avait utilisé maman. God used me. Bon, je ne vais pas aller au détail. Je ne vais pas aller au détail. God, maintenant, il est libre. C'est pour cela que je témoigne ça. Je témoigne ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Can we clap for God? Dieu les a délivrés. God has delivered. Après ça, maman a travaillé sur son enfant. Son enfant était déjà sorcier. And realized that the child was already a witch. Elle se souvient de ses ans, de son enfant. Remembering. About donc, the cry of the child. And sa maman, the witchcraft. Plutôt, la maman du daycare a donné la sorcellerie. So the witchcraft donc, was coming from the mom, the daycare mom. Et l'enfant, elle était fort. Elle résistait. Et elle criait, mais maman, elle n'entendait pas. The child was resisting, was crying, but mom was not listening. À sa mère. Mais maman, but mom was not listening. She didn't have, she couldn't discern what et was going on. On a prié. And they prayed, they maman prayed. Mom cried. Maintenant je suis, donc je vis avec mon enfant comme but now un cadavre. I'm living with my child like a dead body. Alléluia, comme un cadavre. My child is like a dead body. Si j'ai checké les if I was checking on this child, avec ma femme, checking enfant, on the soul of my child, pas laisser mon enfant. This could have not happened à cause de l'argent. Because of money. Mais heureusement, but l'équipe que nous prions, fortunately, il a délivré cet enfant. God delivered this child. Et quand on m'a appelé, première chose que Dieu m'a parlé, j'ai dit à maman, maman, Dieu me dit de te dire. God is telling me to tell il n'a pas oublié ce que tu avais fait pour lui. He didn't forget what you did for him. Maman a commencé à pleurer. Mom started crying. Il dit, berger, on n'a pas causé avec toi. Je n'ai pas parlé de ma vie. I didn't talk about my life. Mais maintenant, je vais te dire. But now I will tell you. J'ai modéré à l'église. I was j'ai modéré et j'ai chanté à l'église. Quand j'ai écouté que church, mon enfant est sorcier, je disais but when I heard that my child was où est Dieu que j'ai servi? And I asked myself, où est le Dieu que j'ai servi? That I was serving. Tu as abandonné mon enfant. I was serving. God et quand on m'a appelé, j'ai dit, maman, le Dieu d'Israël, il connaît ce que tu avais fait au secret. Amen. But some they called me and said, mom, the God of Israel, l'enfant know what you have done. Maintenant. And now the God. Aujourd'hui nous sommes dans la joie. Today we are in joy. Mais si c'était pas Dieu, combien de parents laissent leurs enfants? How many parents leave their children? Ou même des gens qui ne connaissent pas leur état d'âme parce qu'ils viennent de Kinshasa. Parce qu'ils viennent de Togo. Because they are from the same country. They are from Togo. Oh, je veux dire à quelqu'un, l'argent après les enfants. L'éducation des enfants, c'est primordial. C'est plus que de l'argent. C'est notre avenir. They are your
well. Travaille aujourd'hui. Work today. Et pour terminer, je voulais dire aux parents. To finish. Dieu vous aimera. God les âmes de nos enfants. The soul of your children. On va rendre compte. We will have to give aux âmes que Dieu nous a données. God will have to ask us. Et je ne veux pas manger seulement là-bas. Les parents dans l'église, nous les pasteurs, prenons la responsabilité de travailler pour sauver les âmes qui sont perdues. Jouons bien notre rôle. Let us play si our tu travailles au département, tu es le chef du département, mais tu as négligé l'œuvre de Dieu. But tu rendras compte à ce que tu fais. Look down. Les choses, on ne parle pas aux choses de Dieu. Je vous dis la vérité. En moins que tu ne travailles pas. Unless si tu as fait l'alliance avec les dieux d'Israël, travaille au sérieux. Alliance, sois sérieux au lèvres de Dieu. Et tu rendras compte aux âmes qui you sont ici. L'honneur de l'église, ce n'est pas le plan. Yes. L'honneur de l'église, c'est les âmes sauvées. Amen. What you see here is the soul. Oh, je voulais dire à quelqu'un, il n'y a pas de choses plus précieuses que les âmes aux yeux de Dieu. Tu ne cherches pas de plan. Tu ne cherches pas de renommée, tu cherches des âmes. Fame. Et tu es parent, tu es papa, tu es maman. You are a parent. You are et qui guère à tes enfants la parole de Dieu. Parce que qui te ce sont tes enfants. They are your children. Mais c'est les âmes de Dieu. But they are God's soul. Regarde, je veux dire à ce sont tes enfants. They are your children. Mais c'est les âmes de Dieu. Si tu ne travailles pas, au sang que l'Éternel t'a donné, un jour tu seras devant le maître des âmes. Il te demandera, mon enfant Patrick, mon enfant Gino, il est maintenant en affaire parce que toi, Père, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas assumé ta responsabilité. One day, God will ask you, ta responsabilité, c'est de passer par la chute. To raise these children. But now they are in hell. Push they are in hell fire. And God will ask you. So today, push them, force them to work for l'église, c'est plus que l'école. The church. Moi, je suis plus que les, tous les enseignants. It's more than all the college professors. Parce que je prêche la vie. C'est plus que mathématiques. C'est plus que géographie. I preach my life. Tu laisses à tes enfants qui parlent. Aux écoles, l'école c'est bien. School mais s'ils si partent aux écoles, il faut qu'ils viennent aussi, ils viennent aussi à l'église. But if they go to school, they have to come to church. C'est le primordial. It's the most important thing. Travailler pour notre avenir. Work for your future. Si tu veux la joie de ton avenir. If you want joy in your future. Oh, les parents, est-ce que nous sommes ici? Parents, are you here? N'attends pas demain. Don't wait for tomorrow. Don't wait. Travaille aujourd'hui. Work today. Éduquez tes enfants aujourd'hui. Educate your children. Demain, tu seras dans la joie. Tomorrow you will si tu veux pleurer demain, if you want laisse to tomorrow, abandonne tes enfants. Abandon your laisse children. Aux sociétés. Leave them to the society. Leave them to the daycare. Il faut si tu veux aller où tu cherches le daycare, cherche. If you are looking for a daycare, a bon daycare. Look for a good daycare. Tu connais bien l'état d'âme. You do you know the soul of that person? J'ai envie de pleurer. I tu connais pas l'état d'âme de celui qui garde the soul of the person who is taking care of your children. Il y a une maman ici à Champagne. There is a mother here. Il donnait aux enfants de daycare. She was giving leur the children. De période. Comment je peux dire ça? Leur demonstration. En français, c'est quoi? That's what les it rêves, is. Les yes, rêves. That's what it is. Les enfants so this mother, allaient à l'école d'école. Mais oui, elle donnait this is what she was aux enfants them with. Les règles. She was filling them with her menstruations. Elle initiait. And she was initiating them. Vous blaguez. You are joking. Nous cherchons l'argent. We are looking after money. Mais nous préparons pas notre avenir. But we are not preparing for our future. Notre avenir, c'est our future enfants. Is our children. Et toi-même. And you. Si tu as quatre et dix ans. If aujourd'hui, moi, je me parais. Of your children. Parce que on m'a ils ont donné le valet. Ils m'ont donné les valets. My parents have given us values. Parce que and they are proud today. Because I didn't go around. I didn't get lost. Et j'étais ici depuis 2012. And I have been living here since 2012. Alleluia. Et je suis marié depuis 2014. And I am married since 2014. Vous avez un berger exemple.
Yes, you have someone, you have a pastor, you have someone. Il dit, berger, tu sais que tu es modèle de la jeunesse, je suis. Do you know that? Someone asked me, do you know that you are a role model? Mais c'est la grâce de Dieu. But donc si tu es modèle de ta famille, de ta jeunesse, de ta génération, travaillez. Travaillez, il faut laisser la grâce. You have to spread grace. Alléluia. Alléluia. Tu pars et le monde t'oublie. When you leave, the world will forget you. What have you lived? What have you done? What have you left behind you? What are the testimony? The children that you have not educated. C'est lui qui a encadré Samuel. Mais ses enfants mal éduqués. Est-ce que nous sommes là? On peut t'appeler grand prêtre. They can call you big pastor. On peut t'appeler big mama. Big mama. Mais la valeur des parents. But the value of the parents. À ses enfants. It's upon his children. Amen. Yes. Amen. Montre à tes enfants. Show your children the values. Qui va à l'école. They are going to school. Les choses de Dieu. But first of all, God moi, says. On ne prie pas. We don't mes pray. Enfants me rappellent. My children. Papa, on n'a pas pris. Tell me. On all pas the time. Libre. Comment? They remind me. Why are we sleeping? Nous sommes arrivés à la fin. We are. J'ai beaucoup de choses à parler. I have so many things to say. Pas de temps. But we don't have time. Et j'ai ici. Le dimanche prochain, next on va week, parler. We will talk encore again. Des acteurs, mais là on va cibler. But then we have to talk about the youth. Les gens. Amen. Est-ce qu'on peut attendre? Oh, je vais vous en prier, bien-aimé. Nous n'avons pas le temps sur la terre. Nous préparons notre avenir. Jésus revient bientôt. We are la terre et les choses de ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Everything oui, répare-toi. Going to pass, but God's word dis à Dieu, stay forever. J'ai écouté ta parole. Say to God, I've listened to your word. Je vais jouer mon rôle. I will do my role. Dans I will famille, walk sur mes enfants. I will walk on my prions, bien-aimés, parce qu'on va prier le dernier dimanche de mois. We will pray. C'est la prière de la famille. Aujourd'hui, week, nous prions, c'est ma dernière. Est-ce qu'on peut s'élever? Tous tes enfants. Tu as pas qui peut prier pour tes enfants? Who can qui peut montrer children? Les œuvres de Dieu? Who can pray for children? Oh Jésus, oh Jésus. Je sens des larmes. I'm crying, I'm crying. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, merci pour ta présence. Restaure les familles, donne l'éducation, instruis les enfants. Oh Père éternel, montre, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Père éternel, Lord Jesus, donne-nous la sagesse. Lord Jesus, give us wisdom to yes, so educate our children, the children of our neighbors, all the children around us. Lord Jesus, May God give you the strength. May God give you the strength.